Voilà, bien. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Swiss Basketball League. Je suis aujourd'hui accompagné par Nicolas Berholzer, responsable d'équipe ou team manager. Comment te présenter, Nicolas ? Responsable d'équipe. Responsable d'équipe, très bien. Nicolas Berholzer, très connu dans le monde basket chablaisan. Ancien assistant de Petar Aleksić, coach de Fribourg Olympique actuellement depuis quelques années. Entraîneur aussi à Trois-Torrents, dans le mouvement jeunesse, qui fait beaucoup pour le basket. Merci aussi, en passant, pour tous ces jeunes, tous ces joueurs et ces joueuses qui sont passés entre tes mains, aussi un petit peu avec les miennes, parce qu'on a eu la chance de travailler ensemble. Aujourd'hui, montée Chablais Basket reçoit Fribourg. Montée 7e au classement, Fribourg 3e, avec un match en moins. On voit aussi les rencontres du jour. Massagno qui reçoit Boncourt, les Lions de Genève qui reçoivent les Lugano Tigers et Union de Châtel qui reçoit Star Wings. Dans moins de 7 minutes, le début du match. Nico, à quoi s'attendre ? Je pense à un match intéressant. Montée est au complet, il n'y a pas de blessure, ils travaillent bien. Allez, ils sont actuellement leur juste place, on va dire ça. Et Fribourg, c'est une grosse équipe. Il y a l'Europe, l'Europe dans 3 semaines pour eux aussi. Il y a des ajustements à faire a priori avec eux. Ils ont un joueur américain qui est blessé. Donc ils ont aussi passablement de soucis. Donc s'il y a un match à prendre, c'est celui-ci pour moi. Clairement, on peut s'attendre peut-être qu'un un match photocopie de Massagno. Ça serait bien. Ouais, ce serait vraiment l'idéal. Après, les rotations de Fribourg sont quand même assez importantes. Et il est vrai que c'est pas facile d'être 40 minutes focus avec un banc comme celui de Fribourg, parce que Petar, il utilise son banc. Donc c'est effectivement à voir, mais il n'y a rien à perdre de toute façon, donc il faut jouer pour gagner. Merci Nico, à suivre en direct sur cette chaîne. Je vais passer maintenant à la présentation des équipes. Le reposieux bonsoir, 19e journée de la Swiss Basketball League. Le BBC Monté-Chablais reçoit Fribourg Olympique. Fribourg Olympique, coach Petar Aleksić présente la formation suivante. Numéro 1, capitaine Boris Mbala. Numéro 4, Johannes Mathies. Numéro 5, Marquis Johnson. Numéro 6, Paul Gravet. Numéro 7, Dominique Maurice. Numéro 12, Alexandre Hart. Numéro 13, Robert Zinn. Numéro 14, Christian Radjina. Numéro 19, Vigdon Memsi. Numéro 20, Arnaud Couture. Numéro 25, Kevin Martina. Et le top scorer, la mobilière, Sean Barnett. Et pour le BBC Monté-Chablais, coach Pembele présente la formation suivante. Le numéro 1, Achille Spadon. Le numéro 2, Marlon Kessler. Le numéro 6, Thomas Fritschi. Numéro 8, capitaine Chad Timberlake. Numéro 9, Thomas Salman. Numéro 11, Nelson Mook. Numéro 13, Brunel Tutonda. Numéro 16, Victor Despont. Numéro 22, Vincent Bailly. Numéro 33, Tristan Fonieda. Numéro 34, Jonathan Galloway. Et le top scorer, la mobilière, Arthur Edwards. Les arbitres de la rencontre, M. Cliva, M. Baletta et M. Curdi, assistés à la table par M. Marshall. Aux 24 secondes, Pierre Alamos. Au chrono, Michel Auberçon. À la feuille, c'est Marlène Éclair. Au stat, c'est Roland et Lucho. Bon match à tous. Voilà, Nico. On va parler un petit peu de Fribourg. Ouais. Monté à une petite pause avec, grâce aux équipes nationales aussi. Oui. Comment a travaillé ces deux dernières semaines le BBC Monté ? Bah, c'était un peu compliqué parce qu'on a de nouveau eu un cas contact Covid il y a plus de 18 jours. Donc il faut chaque fois gérer ces cas Covid le mieux possible, isoler, s'entraîner individuellement pour ceux qui le peuvent. C'est assez compliqué parce que si on ne peut pas régulièrement venir à la salle et avoir un certain rythme dans les entraînements, ils peuvent avoir des risques de blessures, ils peuvent avoir bien sûr plein de soucis qui peuvent arriver malheureusement. Quoi. Donc dans l'ensemble, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. On arrive à gérer cet aspect Covid assez bien.
Voilà, maintenant le bébé s'est monté, sans le sixième homme, c'est aussi compliqué. Et c'est vrai que je pense qu'on aurait eu plus de points au classement sur certains matchs s'il y avait eu ce fameux public d'Urposio qui s'enflammait avec nous. Bah, bien sûr, ça c'est clairement, hein, c'est sûr. Mais aussi, bon, je pense dans toutes les salles, hein, je pense surtout à Boncourt, qui est le mur du chaudron, oui, toujours aussi impressionnant. C'est clair que le public manque, nous manque. Oui. Et cette pandémie, je ne pense pas qu'il fausse le championnat, mais ralentit aussi certains matchs, comme celui-ci de ce soir, qui est un match de récupération. Hein. Exact, ouais. Après, voilà, quoi, il faut vivre avec. Le championnat continue, il y a des professionnels, il y a des gens qui sont salariés dans ces équipes. Ils ont besoin de vivre aussi. Donc, c'est une fausse bonne idée quand on entend dire qu'il faut arrêter les championnats. Non, il faut continuer. Les jeunes vont redémarrer normalement d'ici quelques semaines. C'est important que ça se remette en route. C'est super important pour tout le monde. Hein. Il y a un aspect social, il y a un aspect sportif. Il faut vraiment faut prendre du positif et aller de l'avant avec cette pandémie qui nous occupe maintenant depuis une année. Bon, le championnat vit quand même. Hein. On a Babacar Touré qui met un terme à sa carrière. Ça bouge beaucoup du côté de Neuchâtel. Ça bougeait aussi du côté de Fribourg, qui joue aussi l'Euroleague. L'Eurocup. Merci. C'est quand même c'est un championnat qui est vivant. Hein. C'est clair, oui, qu'on n'a pas le public, mais c'est quand même assez bien bataillé. Genève tient son os. Ouais. Bien suivi par Spinelli, Massagno. Et Fribourg, bah, clairement, qui perd aussi un petit peu d'énergie avec ses déplacements, prochains déplacements en Bulgarie. Hein, pour, c'est sûr. Ouais. Pour Fribourg. Ouais. Alors voilà, tout est en place pour le début du match. On voit la terne arbitrale, M. Kliba, M. Baletta, M. Kurdi se préparer. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, en fait, du côté du BBC Monté, c'est le travail de coach Pembele, hein, qui, bonne nouvelle, a re-signé. Oui. C'est le travail qu'il fait avec les jeunes. Je suis un fan de Achille Spadon. Oui. Je trouve que c'est un jeune qui a beaucoup de culot, qui a beaucoup de basket dans les mains. Et c'est clair que le parquet lui donne, en lui donnant un temps de jeu, il prend cette confiance que d'autres jeunes n'arrivent peut-être des fois pas à exploiter. Ah, ça c'est sûr. Après, Patrick, la saison a démarré tard, faut être honnête. Mais qui jouent depuis des années ensemble. En termes de jeunes, il n'y a que Neuchâtel et puis Monté qui fait vraiment confiance. Alors l'entre-deux remporté par Fribourg à la même avec Zin pour la première action de cette rencontre. Sur le top scorer, l'immobilier Sean Barnett. Maurice qui joue directement dans la raquette. Le combat Galloway. Fabzina qui va être intéressant aujourd'hui. Ouais, il faudra voir comment. Faut vraiment que Jonathan il joue face aux joueurs. Je pense qu'il pourrait être vraiment déterminant.
C'est un joueur qui joue vraiment pour l'équipe, Jonathan, mais je pense que des fois il devrait aussi penser un peu plus à lui. Jouer un petit peu plus chercher égoïste. Des fautes, chercher des... Chercher le contact au poste bas. Ouais. Voilà, Shields Panal qui tente la pénétration. Il manque, rebond de Robertzin, ça repart très vite de l'autre côté avec Paul Gravet. Qui s'en va en layup, c'est manqué. Et rebond offensif de Maurice qui inscrit les premiers deux points de la rencontre. Je me souviens du match contre Neuchâtel où il s'était complètement annulé avec l'Américain qui est parti de Neuchâtel. On parle de Maurice. J'ai un blanc. Pour revenir, Fribourg avec Zine, deux points. Alors Monté qui essaie de poser le jeu avec Spadon. Le mouvement de Timberlake s'engage sur la droite. Cherche et trouve Galloway qui ressort sur Vincent Bally à 3 points. Le shoot s'est manqué. Rebond de Sean Barnett. Monté qui a cherché quand même une solution simple, ouais. Un peu crispé. Bon, après le shoot il est ouvert, il est seul. Il est... Contre Galloway. C'est juste de le prendre. Tangage sur Maurice. Maurice, excellent shooter également, donc il faut faire attention sur lui. Chastradjic dans la raquette contre Bailly, c'est deux points. Il est bien volumineux, Maurice. Hein. Oui, puis il peut jouer. C'est un joueur polyvalent qui peut très bien shooter à l'extérieur, puis être très, très fort à l'intérieur. Galloway en poste bas contre Là, il doit Stranic. Jouer, là, il doit jouer. Cherche la solution, petit bras roulé. C'est bien fait de la part de Galloway. Les deux premiers points du WBC montés, 6-2. Maurice. Surzine. Cherche Barnett. Barnett avec Maurice. Quelques secondes. Marché. Bien vu de Monsieur Kliba, très bien placé. Après c'est sûr, quand tu joues contre Fribourg, on revoit le marché. Ouais. Clairement, elle avait changé de pied de pivot. Quand on attaque, tu dois sortir des pick and roll ou tu dois. Voilà, c'est pas facile. Il faut le faire pour attaquer. Va s'emballer, qui se frotte à Maurice dans la raquette. Cherche une solution, petit shoot dans sa position. Bien tenté, montre qu'il est là. C'est bon pour la confiance aussi. Oui, il a besoin de ça, Vincent, parce qu'il n'a pas joué pendant un moment, pour sa déchirure musculaire. Ah, Sean Barnett qui essaie de faire tout seul, c'est manqué, rebond de Kessler. Monté qui repart, Spadon qui attaque le cercle. Bien joué, il n'hésite pas. 6 partout, petite réaction du BBC Monté. Sean Barnett. Oh, belle passe pour Gravet, sous l'anneau. Avec la faute. Le panier est accordé. Paul Gravet, un joueur qui explose réellement cette saison à Fribourg, hein, qui était très honnêtement un peu considéré ailleurs. Et puis là, bon, on voit qu'il fait sa place et qu'il l'a fait bien. Première faute pour Timberlake, puis un lancer franc supplémentaire pour Gravet. Il transforme un point. Et c'est reparti. Avec le jeune Spadon contre Berzine. Là aussi, c'est une preuve de confiance. C'est pas Chad qui prend la balle pour monter. C'est Achille et puis. Il provoque la faute c'est bien. Pour Berzine. C'est important. J'aime beaucoup ce jeune joueur. Ouais. La remise en jeu pour le BBC Monté Chablais. Avec Vincent Bailey. On va affronter Maurice. Il va ressortir sur Spadon. Spadon qui prend son shoot à 3 points, c'est manqué. Galloway qui dévie la balle en touche. 6-9. Pour Fribourg Olympique qui repart à l'attaque. Du premier quart, mais moi je vois un BBC monté. Varior qui se laisse pas trop faire.
Donc pour l'instant, les points ils ont été marqués dessous. Hein, donc, peut-être par Barnett extérieur maintenant. Ouais. À 3 points. Comme ça, la mobilière, hein, on porte le maillot. Ouais, il doit sortir plus vite, Chad. Récupère Chad, on provoque une faute sur Paul Gravé. Première faute aussi pour Gravé. La remise en jeu pour monter. Pour monter, on peut avoir les armes pour contrer une grosse équipe. Hein, ouais, avec de la réussite au tir aussi, parce que c'est important. Et puis c'est vrai que ben, ces derniers matchs, il y a très très peu de réussite. Le basket, c'est un sport d'adresse. Hein. Si tu mets pas tes paniers à longue distance, c'est compliqué après. Donc, Galloway de la raquette. En bras roulé. C'est bien fait aussi. Et Fribourg qui repart avec Gravé. Qui joue sur Maurice. Poste bas. Quand Vincent Ballet, ça joue des coudes. Et faute sifflée par Monsieur Kiva. Ah ben sans balayer, on revoit la faute. On voit bien le. Cherche le contact. Hein. Ouais, il pousse avec le corps. Utilise sa stature physique pour. Ben oui. Premier lancé franc-transmouré par Maurice. Comme tu disais Nicolas, le basket c'est un sport d'adresse. Qu'est-ce qui manquerait à ce BBC monté pour qu'il soit un petit peu plus haut au classement, selon toi? Bon, après, le BBC Montat a commencé tardivement sa saison. Et, après, au niveau de l'alchimie avec les joueurs, les renforts, ben, c'est compliqué. Bailey, il a recommencé en début d'année, fin le mois de janvier. C'est pas facile. Hein. On voit là dans la raquette, comme John Barnett et Maurice. Hein, et... Après, on a Arthur Edwards qui est sur le banc, mais qui est un excellent joueur, qui vient d'une université Alabama, qui a un cursus universitaire de basket qui est extraordinaire. Après, ben voilà, il est un peu dans les choux actuellement. Peut-être ce soir, il nous sort un gros match, mais des fois, c'est pas facile. Hein. Il faut du temps. Puis justement, comme je disais tout à l'heure, quand tu t'arrêtes, nous, on a déjà eu deux stops complets de Covid. Ben, c'est chaque fois, c'est 20 jours. Ensuite, tu dois récupérer, tu dois repartir. C'est vraiment pas évident. Ça bouge un peu sur le banc, sortie de Chad Timberlake pour Arthur Edwards justement, qui en parlait tout à l'heure, à l'instant Nicolas. Et entrée de Couture du côté. Alors là, ouais. De Fribourg Olympique. Ouais, il reste Marlon qui peut aider effectivement la montée de balle également. Après c'est une montée de balle qui est jeune, hein. Marlon Kessler, il a 22 ans, hein. Ancien capitaine junior de l'ASVEL hein, quand même en France. Lui, il est issu d'une famille de basket, c'est impressionnant. Il a ses deux sœurs qui jouent pro. Enfin, la petite, elle a 15 ans. Il a un bon chou de. Galloway de nouveau dans la raquette, qui prend confiance. Et puis la plus grande des sœurs, Marlon, elle est. Bon, elle s'est blessée au genou, mais elle joue en Ligue féminine en France aussi. C'est vraiment une famille de basketteurs, les Kessler. Lyonnais. Nicolas Oberholzer aussi, comme connaisseur de basket, hein, pour avoir toutes ces informations. Il faut être connaisseur. J'adore le basket, j'adore autant le basket féminin que le basket masculin parce que je pense qu'il y a du bon à prendre partout. Et puis voilà, quoi, l'intensité n'est pas la même, mais c'est vrai que c'est sympa. Joli pick and roll, bien joué. Bien joué, le dunk de Galloway. Oui. La passe de Achille Spadon qui a bien suivi sur le pick and roll. On revoit l'image là. 14 partout. Joli premier quart, le BBC Monté ne veut pas se faire écraser par Fribourg Olympique. Interception d'Edwards. Oh. Ah, la passe est peut-être un peu longue. Ah, dommage. C'est Spadon qui essaie de sauver. Interception de Maurice. S'enflamme un petit peu. Gravé, joli mouvement dans la raquette. Deux points. L'intensité est juste hein, des deux côtés. Hein. Oui. Marlon Kessler qui prend la main. Pour cette action offensive du BBC Monté, Chablais. Oh, belle passe interceptée par Arnaud Couture. C'était bien pensé. Maurice. Arrêt shoot. Ça rentre deux points. Temps mort demandé par Patrick Pembele. Après, tu vois, ça paye cash contre Fribourg. Tu fais. Deux erreurs. Deux erreurs, t'as 4 points derrière minimum. Puis les deux erreurs, elles sont évitables. Une, tu peux. Voilà.
Après, bon, c'est difficile de pouvoir contrôler les joueurs comme c'est si on aurait une manette de PlayStation. Ouais, voilà, on écoute les conseils dirigés par Patrick Pellet. Là, quand tu prends sur les 4 postes extérieurs de montée, Victor Desponts, c'est 22 ans, 16 ans à Schipadon, 22 ans Marlon Kessler, et puis ben, Thomas Allemand qui vient de Sion Basket, là, qui vient de nous rejoindre, c'est 19 ans. Quoi, donc, Le BBC Monté s'est axé aussi sur, c'est pas cette formation, mais sur l'engagement de faire jouer des jeunes Suisses, bah, leur donner du temps de jeu. C'est une volonté, et puis c'est la volonté de Patrick aussi. Après, voilà. Après, c'est sûr que dans d'autres clubs qui visent vraiment des titres ou autres, c'est compliqué pour un jeune de pouvoir de s'épanouir, sortir l'épingle du jeu. Ouais. Quoi. Clairement. À l'entrée de Thomas Fritschi du côté du BBC Monté et de Brunel Tutanda, qui ont pris la place de Galloway et de capitaine Timberlake. Pour ces 2,35 à jouer, du côté de Fribourg également, entrée de Marquis Jackson. Ouais. Ashin Spallon, attention à ne pas faire une balle portée. Arthur Edwards. Il sort sur Tutanda, il prend le shoot. 3 points, c'est manqué, rebond de Gravé. Allez, sur Mbala, sur Jackson. Pour l'Olympique qui met en place son système de jeu. Mbala. Mbala sur Gravé, poste bas contre Fritschi. Faute. Sifflé au numéro 6, Thomas Fritschi. Non. Voilà, voilà la position du bras de Thomas. Dis-moi si je me trompe, Nicolas, c'est souvent ces fautes de position de bras qui sont sifflées par les arbitres. Ouais, je sais pas si c'est le corps ou le bras des fois. Bon, moi je suis pas objectif, hein, donc des fois je. Voilà, mais c'est sifflé. Je pars du principe que voilà. L'arbitre, il avait la faute. Il fait son job et puis voilà, la fois, il faut jouer quoi. Là aussi, faute. Numéro 7, de Fribourg Olympique. Mal retombé. La revoit. Il pouvait pas s'effacer non plus. Et Thomas Fritschi qui est mal tombé. Ça bouge sur le banc de Fribourg Olympique. Alexandre Hart qui va faire son entrée à la place de Boris. Une 44 à jouer, 14-18 pour Fribourg Olympique. Et remise en jeu pour monter. Avec Achille Spadon à la main. Gage sur le top score à la mobilière, Edwards. Allez, vas-y, Edwards. Sur Vincent Ballet qui se frotte à Arnaud Couture qui provoque la faute. Petite explication entre Couture et Monsieur Balletta. Quatrième faute pour Fribourg Olympique. Les prochaines fautes seront shootées. Non, c'est franc, toute son importance. Monté, on est pas bon pour l'instant dans cet exercice-là. C'est un peu dommage. Premier lancer franc manqué. Deuxième lancer franc. Assez important. Transformé par Ballet. Un point. Une 30. Avant la fin de ce premier quart. On a vu un BBC Monté cette année capable de faire des grosses défenses. C'est clair que c'est dur de défendre pendant 40 minutes tout le match, mais on sait qu'ils sont capables de très très bien défendre. Oui, oui. Jackson à 3 points. Sur le jeune Achille Spadon. 21-15. Ça double sur Spadon et ses fautes. De Marquis Jackson, première faute. Ah, il arrache le bras bah oui. En freinant.
de lancer franc pour Spadon. Qui prend une grande bouchée d'air. Qui manque le premier. Ça doit quand même être une belle sensation de tirer des lancers francs avec le mur montaisan derrière. Ouais, normalement. Deuxième lancer franc transformé par Achille Spadon. On va faire comme si. Ah, comme il, en a, hein. Il en a connu des hurlés mémorables, ce mur. Jackson tacle la ligne de fond, sort sur couture. Derrière une bonne passe. Ouais. Derrière de la raquette, Jackson à 3 points, c'est manqué. Rebond de Fritchi. Sur Spadon. Elle s'en va aller. Attention à ne pas la perdre, elle est importante cette balle. Ouais. Achille Spadon. On va affronter. Gravé dans la raquette, il manque. Un peu trop gourmand. Contre-attaque de Fribourg Olympique, c'est manqué. Rebond d'Alexander Hart, c'est manqué. Rebond d'Alexander Hart. Interception de Tukanda. C'est manqué également du côté d'Edwards. Vraiment dommage. Jackson derrière la ligne sur le gong de la fin du premier quart à 3 points. 16-24 pour Fribourg Olympique. Comme tu disais, Nicolas, la moindre petite erreur se paye cash contre des équipes de ce calibre-là. Bah, tu peux limiter tes points, puis tu peux surtout rester dans le match, puis pour la tête, pour la confiance, c'est important quand t'es pas décroché, quoi, parce que quand tu décroches après c'est compliqué. C'est compliqué, oui. C'est compliqué. Mais bon, voilà quoi. Plus 8 pour Fribourg à la fin de ce premier quart, début du deuxième quart, restons positifs. Mais oui, parce qu'ils sont loin par ridicule, puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ils vont rien lâcher. Entrée du côté de montée de Victor Despont, retour de Galloway et de capitaine Timberlake. Côté de Fribourg, sorti, pas de changement. C'est reparti, début du deuxième quart avec Despont sur Edwards, Timberlake, Tutanda. Despont. Toujours Despont. Il se fait contrer par Alexander Hart. Ouais. J'ai pas très bien vu pour qui il a sifflé la faute. Numéro 16. Ah, il a sifflé faute à Despont. Ouais, parce qu'il a été contre après qu'il ait shooté. C'est reparti pour Fribourg Olympique avec Jackson là, qui joue sur Sean Barnett dans la raclette contre Timberlake. C'est manqué. Ah, il sauve. Mbala. Tu veux pas donner des secondes chances comme ça. Si tu veux battre l'Olympique, tu peux pas te permettre ça. Tu dois être beaucoup plus attentif, beaucoup régulier. Plus attentif, oui. J'étais en train de dire sur l'action d'avant, la circulation de balle, elle doit être beaucoup plus fluide du côté du BBC monté. Galloway, rebond de Edwards qui manque et faute au Fribourg Olympique. Numéro 5.
Jackson. Deuxième faute. Bien, sur les images, il fait un pont de footballeur. Ouais. De lancer franc pour le top scorer à la mobilière du BBC Monté-Chablais qui transforme le premier un point. Deuxième lancer franc également transformé par Edouard, ce qui ramène le BBC Monté à 8 points. C'est clair que maintenant Monté doit travailler hein, pour recoller au score. Eh oui. Essayer de limiter ses erreurs qu'on a vu qui se payent cash. Donc l'un des ténors de ce championnat, Boris Mbala à la main sur Couture, il va armer à 3 points, ça rentre, magnifique shoot. Timberlake. Calloway sur Timberlake dans la raquette, stoppé fautivement par Boris Mbala. Timberlake à la remise en jeu. On voit le shoot d'Arnaud Couture. Très propre. Boris. Tout en bas. Sur des ponts. Dedans pour Galloway. Galloway qui attendait l'arrivée de Couture. Très bien joué. Feinte. Le panier est accordé. Faute contre Arnaud Couture. Sa deuxième faute. Alors, un lancer franc supplémentaire. On voit bien sur l'image, hein, il savait qu'il allait arriver. Kradina qui reprend sa place sur le terrain en lieu et place de Arnaud Couture. Réaction en direct, hein, de Pétard. Hein. C'est franc manqué par Galloway, rebond de Shaw Barnett. Mbala qui cherche l'intérieur de la raquette sur Alexandre Hart qui transforme après avoir provoqué une faute. Faute au numéro 34. Jonathan Galloway à sa première faute. Je voulais dire avant le lancer franc de Kradina, c'était Kradina qui a marqué, c'était pas Hart. Les expériences qu'on a vécues avec Pétard à ses arrivées, à son arrivée en Suisse au BBC Monté. Hein, moi j'aime beaucoup ce que Pétard a fait au fait au basket suisse après son passage au BBC Monté, à l'arrivée à Tribourg Olympique, l'équipe suisse. C'est un personnage auquel je suis très très attaché et toi aussi également. Bien sûr, ouais, vécu des moments forts. Bien joué Edouard. Avec des moments forts, c'est un gars, c'est un bosseur, quoi. C'est une famille de bosseurs. Et puis, il est arrivé de Nyon, je me rappelle, c'était chez nous, il a signé son contrat sur la table du salon chez moi. Mais alors, c'est un passionné, il t'appelait à 1h le matin, et il arrivait à la maison avec la petite histoire, il avait du jambon de chez lui, il arrivait, il voulait absolument voir des matchs, il téléphonait à 1h le matin pour les matchs. Non, mais. Et c'est un passionné, et Patrick hein, c'est le même, hein. Pembele c'est le même mais plus jeune, hein. Donc c'est des passionnés, des gens qui aiment le basket, qui ont envie de voir ce qui se passe ailleurs, qui vont chercher ce qui ne va pas ou autre. Ça c'est super motivant déjà pour les joueurs d'avoir des coachs comme ça. Puis Pétard c'est un excellent formateur, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, après il est dur, hein, mais il faut accepter. Mbala qui s'essaye à 3 points, la balle est sortie en touche, remise en jeu. Pour monter, changement du côté d'Olympique avec le retour de Maurice qui prend la place cette fois-ci de Hart, d'Alexander Hart. Autre changement demandé par Petr Lekšić, Jackson qui cède sa place à Zine. Là, j'en parlais de Petr, moi je trouve je l'ai trouvé très attachant en fait, en dehors de tout ce professionnalisme, de toute cette volonté qu'il a de bien faire. Ah oui, quelqu'un qui a les pieds sur terre. Hein. Quand il arrive à monter, il n'avait pas de voiture, il avait un vélo. Il en vélo à l'entraînement. Je me souviens bien. Donc voilà, il préférait, entre guillemets, il disait, s'il y a du business à faire, c'est mieux de mettre sur un joueur que sur moi. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment, qui s'est construit.
Voilà qui met un super panier. Timberlake qui essaye de sonner la charge pour les siens sur Edwards. À 3 points, ça rentre. Plus 9, plus 10 pour Fribourg Olympique, 24-34. Il faut rester dans le bon wagon pour le BBC monter. Ouais, il faut essayer de garder ses 10 points, de ne pas trop décrocher parce que... Ah, Maurice à l'extérieur, Galloway au rebond. Enfin, très très bon match là, très très bon début de match Galloway. Bonne fixation intérieure. Timberlake va affronter le cercle, c'est manqué, rebond Demba là. Un petit peu égoïste sur cette action là. Ouais, il y avait mieux à faire. Zin, Bala, Barnett. Après Brunel, il doit aussi être plus actif aussi sur le cercle, suivre derrière, hein, parce que... Voilà, on le voit là, Brunel, au rebond défensif. C'est important, sur les deuxième phase offensive, généralement, il y a un panier, voire un panier plus une faute si tu suis derrière. Donc c'est très très important. Tout en dehors avec Timberlake. Timberlake qui fixe Zin. Un peu statique sur cette action montée. Timberlake qui prend son shoot. Temps redemandé par Petar Aleksić. Qui veut pas que les siens se relâchent non plus. Exact. Il a dû détecter quelque chose. Quelque chose ne lui plaît pas. Oh, il est devenu plus sage. Hein. Oui. C'est comme nous. Les années, tu deviens avec un peu plus sage. Avec les années, on s'assagit. Mais... On l'écoute là, on va l'entendre. Voilà, du côté de Pep Bélé. C'est assez incroyable au fait, parce que dans tous les matchs que j'ai suivis après, que ce soit de Fribourg Olympique ou quand il était entraîneur de l'équipe suisse, je retrouvais chaque fois certains de ces tics, certaines de ces mimiques qu'on a vécues sous le vent de BBC Monté. Et comme il arrive à transmettre au fait cette envie de gagner, cette envie de perfection aux joueurs, c'est quand même quelque chose, un don qu'il a, il l'a travaillé aussi. Hein. Et bravo à lui. C'est un personnage, quelqu'un d'entier qui sait voilà. Transmettre, hein, qui a envie de transmettre. Et qui... Puis, on peut remercier Sania, son épouse, qui est formidable, et puis qui voilà, parce qu'il y a quand même deux enfants aussi. C'est pas facile hein, d'être, d'avoir une famille, et puis d'être entraîneur de basket actuellement. Et puis, ben, il faut que tout marche, tout fonctionne bien, et puis ça doit bien fonctionner, donc tant mieux. Finne. Sur la gauche, pour Paul Gravet derrière la ligne à 3 points, ça rentre pas, rebond de Maurice, faute à Nelson Mouk qui vient de rentrer, première faute. Ça se voit un petit peu en demi-teinte hein, de Nelson. Ah, il a pas simplement eu de soucis, de pépins de santé, donc c'est pas évident, mais après, pour trouver le rythme. Radjina, celui-là. Après, si tu le retrouves pas, ben, tu vas sur le banc. Radjina sur la remise en jeu pour Olympique qui ramène Olympique à 10 points. C'est reparti pour le BBC Monté avec Capitaine Timberlake qui fixe Gravé. Petit move et shoot, c'est manqué. Rebond de Chop Barnett. Zin provoque la faute de Victor Dupont. Mauvaise entame de match hein, de Victor, on l'a pas beaucoup vu. Deuxième faute pour Victor Dupont. Quatrième faute d'équipe pour le BBC Monté également. Mise en jeu olympique. Barnett, Zin, Barnett. Maurice. Ouais, il est seul. Oh. La défense de zone n'a pas forcément payé. Hein. Ouais. Et récupération de Edwards qui sort sur Chad Timberlake qui manque son shoot à 3 points. Rebond de Krajina, c'est reparti pour Fribourg Olympique avec Zin. Zin qui joue bien. Extérieur sur Sean Barnett. Paul Gravet sur Maurice. C'est manqué. Sauvé de la touche. Et faute. Au top scorer, la mobilière du BBC Monté. Arthur Edwards.
Envoie la faute d'Edwards. La passe. Arthurzine. Changement du côté de Monté. Retour de Spadone et de Vincent Mali qui prennent la place de Victor Despont et de Capitaine Timberlake. De l'OC Franc pour Robert Zine. C'est Franc transformé. Belle évolution aussi de ce joueur. Hein. Oui. Deuxième lancé de troisième. Également transformé. 38-26. Plus 12 Fribourg. Et le jeune Spadone à la main pour le BBC Monté. Bien sûr Edwards, interception de Sean Barnett, faute. Quand même toute la classe de Sean Barnett hein, qui arrive à prendre la balle, provoquer la faute. On la revoit. Interception et droit derrière la faute qui l'envoie sur la ligne des lancers francs. C'est pas une légende quand tu dis aux gamins que branlère, bas à terre, prends un gamme. Ah, le coach qui ressort, voilà. Allez, books out. C'est Barnett qui transforme le deuxième. Allez, Fribourg qui est quand même bien, bien mis en place sur le terrain, hein, même sur la remise en jeu, mini press. C'est manqué, intercepté par Sean Barnett. Il est sur tous les bons coups dans ce deuxième quart. Ah oui. Radjina. Sean Barnett. Joueur très intelligent, fait jouer les autres. Ah, magnifique. Réaction de coach Pembele qui colle un temps mort. On voit l'action. Pupit, Radjina et Sean Barnett. Très belle action de basket. Clairement, maintenant, on passe la moitié du deuxième quart. Monter dans le dur. Monter dans le dur. Fribourg qui fait un excellent basket. Bah, écoutez, coach Pembele. We have to win. What do you want to do? Let them play round and round and sometimes we'll basket and they destroy us like Costa Rica. Come on, make the things happen. Pembele qui ponce la voix. On a vu vraiment sur ce temps mort les deux coachs hein, qui veut que ça continue à travailler puis l'autre côté qui veut donner ce coup de fouet, leur dire mais vous êtes venu ici pour jouer, qu'est-ce que vous faites? Oui. Remonter les bretelles. Tout est encore à faire. 4-0-4 à jouer. Nelson Mook à la remise en jeu. Allez monter. Achille Spadone. Sur Nelson Mook. Edwards. Edouard sur Vincent Bailey. Bien, joli mouvement. Il avait quand même Pradjina et Maurice dessus. Ouais. C'est bien vu de Vincent Bailey. Ah, la responsabilité individuelle elle est importante sur une défense. Donc c'est clair que. Un petit peu plus vaillant après ce temps mort, les joueurs du BBC Monté. Faute contre Galloway. Ah, il va chercher la balle entre les jambes. Faute qui peut être sifflée. Radjina sur la ligne des lancers francs. Pour deux tentatives. Bon, il fait son job lui. Il est arrivé. Je remplace, je joue. Bon, s'il a été appelé par Pétard, s'il a été cherché par Pétard, c'est qu'il a vraiment des qualités. Connaissant.
deuxième lancé franc dévié par Galloway qui prend le rebond défensif sur Edwards. Il est soufflé sur l'anneau là. Edwards qui marque là avec shoot à 3 points, c'est manqué. Rebond de Maurice. Montée devrait lever un petit peu son cran défensif, hein, essayer d'aller piquer des boules. Maurice derrière la ligne à 3 points, ça rentre. 28-44, 3 minutes à jouer avant la mi-temps. Encore, encore une fois, Edwards qui essaie de se jouer de Sean Barnett. Il intercepte et va scorer. Sean Barnett sur Maurice. Paul Gravet, Zin dans le pic de Maurice. Oh. Joli sur Paul Gravet. Bon, la circulation de balles de Fribourg, c'est super bien roulé. Oui, hein. Oui, il n'y a pas photo. Après, ben voilà, quoi. C'est... Ça reste Fribourg, hein. Pas. Achille Spadam. Il se fait contrer par Krasina qui sauve de la touche. Berzine. Jeu. Sur Shot Barnett. Trois points, ça rentre. Monté qui prend l'eau un petit peu de tous les côtés sur ces deux dernières actions. Ouais, bah, Dali qui essaie de faire tout faire tout seul. Qui perd la balle. Paul Gravet sur Zin. Dino sur Gravet. Et la faute. Un petit peu de frustration de Nelson Mook. De lancer franc. Changement dans les deux équipes. Mbala et Memchi qui prennent la place de Krajina. Et du shooter Gravé. Et du côté du BBC Monté, retour de Marlon Kessler et de capitaine Timberlake en lieu et place de Nelson Mook et de Arthur Edwards. Gravé pour son deuxième lancer franc. Transforme, joli match de Paul Gravet. Cède sa place à Jackson. 1:42 à jouer. 30-51 pour Fribourg Olympique. Sambalé qui essaie de tenir la barque tout seul. Et ça ne fonctionne pas. Non, c'est pas rêver. Pas faute de vouloir essayer, mais tout seul comme ça contre Ibo, il ne va pas y arriver. Maurice sur Jackson. Je pense que les murs du poseux vont trembler à la mi-temps. Oui, passe défensivement. Il y a mieux à faire. Il y a beaucoup mieux à faire. Après, ben voilà. Après, si tu joues, après tu joues peut-être à ton niveau. Hein, je suis désolé, mais super Mbala. Provoque la faute du capitaine Tiberlé qui l'a laissé un petit peu sur place. Hein. Joli mouvement. Sans voler, hop. Je connais les qualités aussi de Boris, hein, très athlétique. Ouais. Bonne vista. Joueur qui est passé aussi du côté du BBC Monté Chablais. Lancé franc transformé. Plus 24 pour Fribourg Olympique. Tiberlé. Les actions elles sont trop longues. Spadan qui se fait contrer par Mbala. Trop longue ou il manque une circulation de balle. On voit dans les termes d'assist là, on voit que Fribourg dans le partage du ballon est beaucoup mieux dans le match. Après ben voilà quoi. Le rebond de balai. Sur Malan Kessler. Sur les deux derniers matchs, j'ai trouvé Marlon un petit peu éteint. D'une forme.
mental. Bon, il y a eu le... Lui, il a eu le... Lui, il a été testé positif au Covid aussi, donc il y a... Il y a ce break aussi de 10 jours. Hein. Ouais, puis il y a le fait que... Est-ce que t'es réellement... Est-ce que t'es réellement soigné après avoir eu le Covid ? Parce qu'il y a quand même... C'est quand même des fois compliqué, hein. Encore la mi-temps, 30-54. Voilà. Un petit mot sur cette première mi-temps. Gros Fribourg Olympique. Bon, on a Fribourg qui joue son jeu, qui est très structuré, qui n'est pas venu pour, entre guillemets... Se promener, quoi. Ils font leur job. Ils sont vraiment en place. Les changements qui sont faits, ils apportent quelque chose. Et c'est la problématique de monter, c'est que sur certains changements, ça n'apporte pas la plus-value qu'ils pourraient avoir. Mbala, il rentre, il est performant. Art, il rentre, il est performant. Krasnikal, croate, il change avec Couture. Il rentre. Il y a tout de suite une impulsion qui est positive. Alors, c'est juste dommage parce que dès que tu es décroché face à des équipes comme ça, c'est compliqué de revenir. Après, ça reste que du basket. Et puis, je pense que tu dois aussi avoir. Être content de jouer, être content, il faut aussi être positif, quoi. Thank you.
Voici de retour au reposieux pour la 19e journée de la SB League. Monté contre Fribourg. Salutations aussi à vous qui êtes sur les ondes internet, sur la chaîne YouTube de Sud Basketball. Salutations aux supporters montésans, aux supporters fribourgeois. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre. Première mi-temps à l'image de Fribourg Olympique, un Fribourg Olympique solide. Très fort au rebond, très fort en phase break. Alors, regardez un petit peu les stats avec Nicolas, l'analyse est assez vite faite. La suprématie de Fribourg Olympique est montée trop timide. Au rebond, qui soigne pas ses fast break, qui perd des balles. Et de l'autre côté, c'est cash. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette deuxième mi-temps, Nico? Bah, une réaction de montée, absolument. Autrement, ce serait vraiment dommage déjà pour le match. C'est important aussi pour Fribourg qu'ils aient des bonnes oppositions. C'est important pour les gens qui regardent le match à la télévision, bah, qu'ils puissent avoir un joli match aussi à voir. Et c'est un tout. Après, comme je disais, c'est de la responsabilité individuelle. Le joueur qui joue, il doit se dire qu'il est chanceux de jouer, puis de pouvoir faire son basket et puis de donner un maximum, public ou pas public. Et comme je te disais aussi, c'est que malheureusement, il y a certains joueurs qui sont peut-être arrivés au maximum de leur capacité. Et ça, c'est une réalité du basket. Hein. Ma foi, tu peux pas. Nous souhaitons beaucoup de plaisir. Maintenant, je pense que Monté doit quand même avoir une réaction d'orgueil. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Bon, c'est très pertinemment que Fribourg va rien lâcher. Fribourg, très belle écurie. C'est sûr que c'est plus facile pour nous qui sommes derrière la table ici à regarder le match, à faire des théories. Hein. Il y aurait 600 personnes dans la salle, il y aurait 600 entraîneurs de basket. Tout à fait. Mais bon, la réalité, elle est là. Hein. Je veux dire, il y a 30, presque 30 rebonds de la part de Fribourg Olympique contre la moitié pour Monté. Monté a été une seule fois en phase rebond offensif durant les deux premières périodes. Ça indique qu'il faut aller chercher. Il fallait les chercher, Fribourg. Il fallait les titiller. Hein. Et ça, voilà, c'est dans la tête, ça se passe aussi, quoi. Bon, après, Monté a quand même quelques matchs de référence. Peut-être que ce soir, ils ne sont vraiment pas dans un bon soir. Ouais. Et moi, je nous souhaite, en tout cas, de voir un bon troisième quart. Exactement. On connaît Monté avec son fameux troisième quart un petit peu endormi. Espérons qu'il nous prouve le contraire, qu'il fasse un gros troisième quart et qu'il se remette dans le match. Tout à fait. Après, on voit que Pétard, il a utilisé déjà 10 joueurs. Il y a beaucoup de... Sur Fribourg, il y a plus de 8 joueurs qui ont déjà marqué. Hein, donc, c'est... Voilà. Contre 5 du côté de Monté, oui. Après, j'aime pas parler de ça, mais c'est sûr que... regarde la qualité des joueurs Fribourg qui jouent en Eurocup. Je veux pas aller dans les détails, mais t'as quand même... T'as quand même un contingent qui est fait pour... T'as deux internationaux helvétiques plus deux renforts étrangers sur le banc. C'est sûr qu'après, ils ont faim, ils ont tous envie de jouer, donc ils ont tous envie de prouver aux autres qu'ils méritent aussi avoir leur temps de jeu. Et puis voilà, puis ces renforts, ils ont aussi besoin de stats pour se montrer, pour aller plus loin. Donc automatiquement, ça donne une émulation importante. Maintenant, je suis content parce que les spectateurs vont pouvoir avoir à l'œuvre. Encore une fois, Thomas Zalman, nouvelle recrue du BBC Monté, fils d'un excellent shooter qui nous a fait voir la misère quand on jouait en deuxième ligue, mais la misère. Donc, c'est reparti. Coucou à Emir, s'il nous écoute, on le salue bien. Salutations, excellent Emir. Formateur, dur mais juste. Ah, Galloway qui sort ce ballon de Kranich. Il est un peu seul au monde, hein, Galloway, là-dessous, hein, franchement. Dépend avec Timberlake. On va voir si le BBC Monté est sorti du vestiaire avec un petit peu plus d'envie et d'intensité. Palais, Franck Maurice, ça rentre pas, rebond Mbala. Mbala sur Maurice. Récupération de Vincent Maëli. Soigné passe break, interception de Mbala. Voilà. Interception de Timberlake. Stop là. Bailey qui se manque, compris avec Thomas Salman. La balle sortie en touche. Et c'est reparti pour Fribourg avec Jackson sur couture.
Voilà. Bonne défense. Jackson. On sort sur Maurice. On n'a pas laissé shooter. C'est bien. Jackson. Rebond d'Embala. Et la faute de Timberlake. Il faut être plus dur là, ce box out. Passer ça à voir. Ça va shooter. Pour... Après, Mbala, il joue beaucoup aujourd'hui. Enfin, il joue plus aujourd'hui que d'autres matchs. Mais ça, c'est un joueur qui mériterait d'être vraiment un joueur majeur. En tant que capitaine, il devrait jouer ses 20-30 minutes par match. Il va arriver maintenant à ce niveau-là. Quoi. Donc, j'espère pour lui que ça va évoluer. Bon, je pense que Pétard utilise ce match aussi pour lui mettre des minutes dans les jambes. Ouais. Deuxième lancé franc transformé par Mbala. La remise en jeu pour monter avec Victor Despons. Engage sur Timberlake. Thomas Salman contre Boris Mbala. Sur Timberlake. Mbala. La raquette provoque la faute de Maurice. Quand tu vois déjà la masse de Vincent Bailey, bon là il paraît peut-être petit à l'écran, mais quand tu es en face de lui, sous le terrain, puis tu dis que tu n'arrives pas à faire bouger Maurice. Mais... Toi tu vas là-dedans, c'est bon, hein, tu... Oui. Tu ramasses deux claques et puis c'est réglé. Ou tu vas peut-être pas forcément chercher le contact. Premier lancer franc manqué par Bailey. Ouais, c'est ça qui est devenu, c'est le basket qu'on a peut-être connu. Bon, on est jeune, mais vieux dans le basket. Mais c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup plus. Voilà, il y avait beaucoup plus de tactique, de technique. Maintenant, le physique a vraiment pris le dessus hein, sur beaucoup de phases. Hein, ouais. Beaucoup plus athlétique. Ouais, ouais, Maurice, tout à fait, quoi. Justement, à l'œuvre. Deux points supplémentaires pour Olympique, 31-57. Victor Despons à la main pour monter. Ouais, ballon chippé par Jackson. Petit lay-up. Mort demandé par monsieur Kliva qui s'en va discuter avec l'homme du chrono. Apparemment, le chrono n'est pas parti. Profite de cette pause. Monsieur Kliva, qu'on a vu en Europe là, une ou deux fois. Là. Très belle carrière de Sébastien. Félicitations à lui. Belle image véhiculée par monsieur Kliva par rapport au basket suisse. Ouais, c'est important. Profite de ce temps mort pour remercier tous les sponsors du BBC Monté, de la Swiss Basketball League, Energia Pro, la ville de Monté, Sport Unique Hydressy, RTB Corvalia, 360 degrés, Bon FM, Alliance, la BCV, Gros Électricité, Probat, Radio Chablais, Provin, Frappe.com, Laver les Bains, Axus, Climat, The Job, Manor, Retripa, Let's Go Colombara, Swiss Facilities et bien sûr la Mobilière. Sponsor principal bien joué. De la Swiss Basketball League. C'est juste. Tu vois, quand tu suis en bon offensif, automatiquement, tu bénéficies de quelque chose. Quand tu bouges, tu crées quelque chose. Donc, automatiquement, ça peut être favorable. C'est important. Justement, Monté était un petit peu trop statique en première mi-temps. Hein. Ah, tu le payes, cash. Après, pour venir. La remise en jeu avec Timberlake. Cherche une solution sur Galloway. C'est intercepté par Mbala. Qui s'en va l'affronter. La balle dévie en touche par Boris Mbala. Bien suivi par Thomas Salman. Mbala, c'est un chat. Il est prêt sur tous les ballons. Ça, c'est un gars extraordinaire. Ça, t'as ça comme coach. Il se sacrifie en défense. C'est un gros bosseur. Ouais. C'est un des bosseurs. Quoi. C'est super important d'avoir ce genre de joueur-là. Ça doit être quelque chose aussi dans les vestiaires, Boris Mbala. Thomas Salman. Sur Timberlake à 3 points. Ça rentre. 34-59. Jackson. Très élégant dans son dribble. Sur Mbala. Sur Jackson. Ah, il n'hésite pas à tirer, lui. Hein. Il n'hésite pas à shooter. Rebond. De Despons sur Thomas Salman qui s'en va attaquer le panier, bravo! Premier point. Bien rentré dans le match, Thomas. Ouais, c'est un joueur très intelligent, on voit que
Après, le saut de la Ligue B à la Liga, en plus, Covid oblige. La première semaine d'entraînement a quand même été compliquée pour lui parce que, au niveau de la mise en route. On a vu Galloway qui chasse le ballon du panier. Chad n'est pas trop à son affaire, il avait fait un excellent match, match aller. 3 points Maurice. Rebond de Galloway. Un Monté qui essaye quand même de soigner un petit peu plus son jeu pour essayer de recoller au score. Galloway. Bailey. Kinderlake. Ouais, c'est trop. Bailey qui se manque au shoot. Oh, monte Kradjina. C'est trop dans un mouchoir de poche. Hein. C'est trop serré. Il manque un petit peu d'air dans le jeu de Monté. Ouais, Jackson qui s'en va dans la raclette. Dynamisme. Changement dans les deux équipes. Entrée de Hart du côté de Fribourg Olympique. Et retour de Marlon Kessler du côté de Monté. Victor Despons a pris un coup. J'espère rien de grave. Apparemment, il a dû prendre un coup là où il ne faut pas. Ouais. Et c'est reparti, Monté avec Timberlake à la benne. Il était spoté dessous. Ah, oh, Galloway. Ah, oh, c'est manqué. Allumer la technique. Faute technique contre Jonathan Galloway. Frustration. Frustration. Il y avait une petite faute. Je pense qu'il se fait un peu pousser et puis il est frustré et puis voilà. Il a la voix qui porte alors. Et monsieur Clivan n'est pas sourd. Ah non. Il aime bien ça. Changement du côté Monté. Thomas Salman qui cède sa place à Achille Spadon. Et Fribourg qui repart avec Jackson. Sur Arnaud Couture. Couture sur Alexandre Hart. Faute offensive. Joue un petit peu des coudes. On va revoir. Aïe. Cherche le panier. Il monte les coudes. Oh, il prend le visage à Marlon au passage. Faute qui est juste. Timberlake. Timberlake sur une sélection avec Vincent Bailey qui s'en va affronter dans la raquette. Jackson qui ressort, c'est dévié par Alexandre Hart. Balle en touche pour monter. C'est trop pauvre, tu vois, comme jeu. C'est une balle dessous, on essaie d'attaquer en force, en force, en force. Ça manque de consistance au niveau du lion, jeu. Ouais, effectivement, on veut. Voilà quoi. À Timberlake qui fait tout seul dans la raquette, deux points. Et Fribourg qui repart avec Jackson. Personnellement, la performance individuelle doit passer après la performance d'équipe. Et puis c'est sûr que si tu arrives à trouver cette alchimie. Alchimie, ouais. Voilà, contre de Hart, il y avait eu interception de Timberlake. C'est pas soigné. Hein. Non, on peut faire la passe à Galloway, il y a des choses, voilà quoi. C'est... Beaucoup de réglages à faire du côté du BBC Monté Chablais. Interception là de Timberlake qui était bien placé. Marlon Kessler sur Spadon, prend la ligne de fond, c'est manqué. Manque un petit peu de réussite là. Hart, Jackson. Boris. Sean Barnett. Jackson. Stop et shoot, c'est manqué. Rebond de Galloway. Marlon qui s'en va. À toute pompe, provoquer la faute du top scorer, la mobilière de Fribourg Olympique, Sean Barnett. Sa deuxième faute. Oh, allez, changement dans les deux équipes. Retour de Gravé et de Zine qui prennent la place de Jackson et de Maurice. Du côté du BBC Monté.
c'est Chad Timberlake qui cède sa place au top scorer. La mobilière, Arthur Edwards. 8 points pour l'instant pour Edwards, c'est pas beaucoup vu. Non. Bon, c'est un shooter, mais on sent que ben voilà, il trouve pas trop sa place peut-être. Tu vois. Après le shooter, il a le moment de folie où il va prendre son shoot tout seul et puis la construction du jeu qui le met en position pour prendre son shoot ouvert. Pas beaucoup vu du côté du BBC Monté. Justement, c'est ça qui tu disais qui manque un petit peu. Hein. Oui. Jeu un petit peu stérile. Arlen Kessler sur Galloway. Dans la raquette contre Couture, il faut la ressortir, c'est bien sur Achille Spadon. C'est manqué, rebond de Zine. Sur Couture, Sean Barnett. Paul Gravé, il ressort sur Couture, qui prend le shoot à 3 points, et ça rentre. Avec une petite faute de Marlon dans la raquette. Première faute pour Kessler. Superbe shoot de Arnaud Couture. Barnett. Zine. Prend son shoot. Rebond pris par Edwards. Et faute sifflée contre Alexandre Hart. Deuxième faute. Fribourg avait atteint à la limite des 4 fautes d'équipe, c'est la 5ème. Ça va shooter pour Edwards. 38-65 de 43 à jouer dans ce 3ème quart. Top score de la mobilière de Monté. Pour 2 tirs libres, le premier c'est manqué. Comme tu disais avant, hein, l'exercice des lancers francs pour le BBC Monté à soigner. J'avais lu un commentaire une fois sur... qu'il fallait qu'il reste à la fin du match pour entraîner les lancers francs. Deuxième lancers francs transformé par Arthur Edwards. Si je ne m'abuse, je crois qu'il est monté d'avoir du 50% lancers francs là sur ce match. Ouais, un petit peu. Puis à 3 points, très peu quoi. Sean Barnett. 2/10 à 3 points. Gravé sur Couture dans la raquette. Ouais, rebond de Hart. Encore. C'est un rebond que Monté doit prendre. Sifflé. Monsieur Kiva qui arrête le jeu. Ah ouais, 14 secondes. 14 secondes. Comme dit un mot à la table. Il y a un reportage qui est assez intéressant. Bon, je pense que tous les basketteurs fondus de basket l'ont vu, mais il y avait Léo Westermann qui était parti au Partizan Belgrade. Qui avait voulu vivre une expérience dans ce pays-là de travail. Mais surtout de travail. Il y avait un jeune, je ne me rappelle plus le jeune que c'était, mais il devait corriger son shoot, puis il devait marquer tant de shoot, mais en centaines. Hein. Je crois qu'il est resté 12 heures dans la salle, le coach aussi assis sur un... Mais il ne pouvait pas quitter la salle avant qu'il n'ait pas marqué ses shoots. Hein. Ah, il n'y a pas la même pression en Suisse, hein, je te rassure. Mais... Et des fois, rien de travailler. Oh, Assembly qui joue avec Galloway, qui est monté au dunk, et qui provoque la faute de Robert Zine. Dunk manqué, on revoit. Zine qui vient par derrière et c'est faute. L'arbitre qui demande à Galloway de contrôler le filet. Alors on parlait de lancer franc, Galloway à l'examen lancer franc. C'est manqué, le premier. Pas de dîner ce soir. Pas de spaghetti bolognaise. Ouais. Deuxième lancé franc transformé par Galloway. Et c'est reparti. Une 47 à jouer. Robert Zine. Couture. Sean Barnett. Sean Barnett, il est doublé. Ça ressort sur Alexander Hart qui transforme à 3 points. On va pas parler de réussite du côté de Fribourg, mais c'est un shoot non, ouvert, il fallait le prendre. Bah, il double, donc il est seul après, c'est normal qu'il le prend, il a un shoot ouvert. Après les gens vont penser qu'on parle un peu trop de Fribourg que Monté, mais Monté ne montre pas grand chose franchement ce soir. Donc voilà, honneur à l'équipe qui développe un jeu qui est plus intéressant. Vincent Bailey dans la raquette,
C'est manqué, il reprend son propre bond. Et il transforme. Peut-être un bébé s'est monté qui se sent timide face à une écurie comme Fribourg. Bon, ils sont en retard sur beaucoup de... On voit, hein, c'est une réalité, ils sont en retard sur beaucoup de mouvements. Donc c'est clair que si tu es en retard, ben derrière tu dois compenser. Donc aider, pas forcément être bon, parce que si tu libères une place, avec une extract pass avec Fribourg qui ont l'habitude de jouer ensemble, ben, ça ouvre un tir ouvert ou une pénétration au panier. Et puis ben voilà, ça paye cash quoi. Donc après ben c'est dans ces matchs comme là que tu dois apprendre. Hein. Apprendre à apprendre, hein. C'est la réalité du basket. Hein. Depuis des tout petits. Quand tu passes pour un. Quand tu es aux entraînements avec des petits et puis tu leur dis que le travail, la précision, le geste, l'aide s'appliquer. Aux copains, s'appliquer, etc. Qu'il y a des valeurs communes qui doivent être faites au basket, ben elles sont là. Quoi. Couture. On rebond, balle chippée par Spadone. Oui, au panier. Ouais. Perd la balle en touche. Un mal rebondi. On va revoir. On voit qui se mange sur le dernier dribble. Dommage parce que l'intention, elle y était. Hein. Elle y est, ouais. Après, c'est l'expérience. Si tu arrives à apprendre tes erreurs, puis tu dis, bon, ok, c'est des paliers à passer gentiment. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Comme on dit, on ne perd jamais, on apprend. Hein. Toujours. Zin, là, avec Hart et la faute de Bailey. Bien vu par M. Kliva qui était bien placé. On voit Zin qui va chercher l'intérieur. Hart qui monte. On aurait pu peut-être assister à un gros dunk. Hart sur la ligne lancée franc. Ça rentre le premier. Si je ne m'abuse, il était à bon cours hein, avant Alexander Hart. Hein. Deuxième lancé franc, également transformé. Et remise en jeu pour remonter. 34 secondes à jouer dans ce troisième quart. Edwards, faut passer. Les 8 secondes sont écoulées. Fini presse de Fribourg Olympique qui paye. Monté qui n'a pas traversé la moitié du terrain. Violation des 8 secondes. Zin. Couture, gravé. Qui se joue d'Edwards. Qui cherche l'intérieur du perception de Vincent Bailey. Spadone, attention. Bailey, faut shooter, ça rentre pas, Galloway, pas du troisième quart, 42-72 plus 30 Fribourg. Petite réaction timide du bébé s'est monté, mais. Timide, très timide. Ouais. En face, Fribourg Olympique ne pardonne rien. Très bien mis en place aussi par Pétard, on a vu aussi sur la dernière action de la mini-presse hein, qui oblige. Le bébé s'est monté à violer les 8 secondes. Ça met encore un coup au moral. Et encore un quart. Faut travailler. Oui, toujours. Après, c'est le. Après, je m'excuse. Bon, nous sommes de grands bénévoles. Oui. Mais là, c'est leur job à certains. Quoi. C'est leur travail. Après, toi, tu vas bosser. Moi, je vais bosser le lundi. Eux, c'est leur job. Donc, à un moment donné, quand ils font pas leur travail, tu dois aussi te permettre de leur dire qu'ils font pas leur job. Tu vois, comme clairement. Puis là, clairement, il y a quand même des joueurs à monter. Je m'excuse, mais Arthur, il doit sortir. Quoi. Il doit vraiment être plus performant que ça. Quoi. Il doit aider l'équipe. Alors, tu peux être dans une mauvaise passe. Hein. Ça arrive à tout le monde. Tu peux tomber sur un mauvais jour. Mais c'est clair que si on fait le bilan de la saison jusqu'à maintenant, les étrangers de montée n'ont pas forcément apporté ce qu'on attend d'eux, en fin de compte. Non, effectivement. Après, c'est des bons gamins, c'est les rois du monde. Ils sont super sympas, mais après, il y a une réalité qui est sèche. Moi, je suis pas l'employeur. Mais l'employeur, tu dois dire, écoute, tu es aussi pour ces gaillards, ils ont des saisons qui sont quand même courtes. Ils doivent trouver du boulot aussi, etc. Donc ils ne peuvent pas se permettre de se rater comme ça. Quoi. Surtout en Suisse, excuse-moi, après je ne dis pas que le niveau en Suisse il est bas, mais si tu n'arrives pas à t'imposer en tant que joueur entre guillemets majeur en Suisse en venant d'étranger, c'est surprenant venant de ce joueur, parce que comme je dis,
une formation universitaire, une collège universitaire qui est quand même qui est bonne. Il a joué en D-League. C'est pas été un joueur qui a été inactif. Et tu sens qu'il se retrouve pas en fait dans ce jeu-là, quoi. Et c'est un peu dommage. T'as presque mal au cœur pour lui, quoi. Oui, bon, après, est-ce que lui ne fait pas aussi grand-chose pour pouvoir... Enfin, je sais pas, moi, je ne vis pas dans les vestiaires. Je me contente de... Moi non plus. De commenter les matchs, j'ai plaisir même à commenter les matchs. Non, mais si tu joues comme ça, c'est même nous, oui. Non, on n'avait pas la chance d'avoir la télé qui était là, mais tu regardes ton match le lendemain, puis... Si, il fait une autocritique. Il fait quand même une autocritique. Il y a quand même un souci, quoi. Tout en bas sur le terrain, qui c'est qui manque son shoot, balle sauvée par Fritschi, mais intercepté par Zinn et rangé par Nelson Mook qui dévie en touche. Poteau aussi de Nelson Mook, Thomas Fritschi et tout en bas du côté de Monté. Pétard qui a cassé une chaise, décidément les chaises du reposieux. Sean Barnett. Gina sur Paul Gravé, c'est super bien fait dans la raquette et ça paye 2 points. À Victor Despont du côté de Monté. Nelson Mook. Victor Despont. Il force un petit peu son entrée dans la raquette, c'est manqué. Interception Sean Barnett. Robert Zinn. Net, gravé, sur Zinn, fin de shoot, flotteur, ça rentre pas. Mimchi au rebond. Temps mort. Demandé par Patrick Pembele, direct. Des indications qu'il a données au début du quatrième quart n'ont pas été suivies. Il réagit tout de suite. Je pense qu'il fait bien, mais il veut voir quand même quelque chose avant la fin du match. Je pense pour lui, hein, pour ses joueurs. Après, comme je l'ai dit, c'est facile pour nous, là, derrière un téléviseur, mais il doit vivre la misère là sur le banc. Là, des fois, tu dois te dire des fois, mais tu dois essayer de positiver toujours. Tu peux pas baisser la tête. Tu te dois de montrer à tes joueurs que même si tu es dans une situation un peu désespérée comme maintenant, où il y a presque 30 points. Tu dois pouvoir travailler des schémas, tu dois pouvoir progresser. Aller au-delà de la frustration et continuer à jouer au basket. Tout à fait. Montrer quelque chose de plus. Exactement. Quoi. Et on voit de l'autre côté Pétard qui ne lâche rien. Non, il lâche rien. Plus 30, plus 34, il est toujours dedans. Il lâche rien. Il profite de donner du temps de jeu à Mimichi. Il l'écoute. Peu moins de cheveux. Les cheveux, c'est un sujet tabou avec moi, Nicolas. Timberlake. Allez, 8:39 à jouer. Bien sûr, Nelson Mook. Ah, il n'y a pas de solution. C'est compliqué. Tout en da, des débits en touche par Zinn. Trop serré comme jeu, hein. Il manque d'air dans le mouvement, d'air dans le jeu du BVC Monté. Un peu statique. Timberlake, Thomas Fritschi, surtout Tanda. On parlait de ces joueurs justement, que la différence de vie. Brunel, bon, je ne trahis pas de secret, mais c'est quelqu'un qui se lève très tôt le matin pour aller travailler. Très tôt, donc, hein, et qui a une famille, qui a 2 enfants en bas âge. Qui transforme son premier dans ses francs. Qui finit plutôt le boulot pour venir à l'entraînement le soir. Quand tu regardes le banc d'Union Neuchâtel ou de Fribourg Olympique ou même de Genève, il y a peu de gens qui bossent, puis qui sont étudiants et puis qui se lèvent à cette heure-ci, quoi. Donc, ça fait aussi une différence, hein, quand tu peux compter sur des contingents qui sont quasi pro, c'est différent, hein, ta récupération est différente aussi. Mimichi en bras roulés, on l'a vécu aussi du côté de Monté, hein, quelques saisons où les joueurs étaient des pros, vivaient comme des pros.
C'est clair qu'après les années changent, mais bravo à Brunel. Hein. Moi, quand j'ai été aussi responsable d'équipe, je prenais aussi souvent aux joueurs suisses de se trouver un petit boulot à côté, aussi rien que pour la tête. C'est pas toujours évident. Alors. Olympique avec Mimichi, Sean Barnett, Zin, Sion Ravé qui shoot à 3 points, c'est manqué. Toujours gravé dans la raquette, c'est manqué, rebond de Tutonda, faute. Au numéro 19, Bogdan Mimichi, première faute. Qui est à Neuchâtel, qui vient de la France, l'Asvel. Physique du basketteur. Hein. Ouais, un peu bizarre ce transfert là, qui depuis Neuchâtel jusqu'à Fribourg. Fribourg, on n'avait pas forcément besoin. Peut-être c'est pour les prochaines saisons. Il y a un contrat longue durée à Fribourg. Alors, peut-être que c'est cette vision là qu'il faut avoir. Son Mook qui prend son shoot à 3 points. Par entre 47-78. Barnett. Urzine sauve la balle de la touche, retour sur Barnett, retour sur Zin, fin de shoot, step, il le prend, 3 points, bravo. Certaine assurance quand même du côté de Fribourg Olympique, c'est ce qu'il a manqué petit peu du côté de monter, un petit peu la confiance. La confiance. Tout en dehors. Des ponts. Entré par Paul Gravé, grand match de Paul Gravé. Ah, lui, il a clairement passé un palier, Paul Gravé. Quand même. Voilà, un palier. Bon, il lui donne confiance, donc automatiquement, il la rend, quoi. Qui se réessaye à 3 points, qui prend son propre bond. Sort sur Barnett. Interception de Tutonda. Thomas Fritchi. Berlick sur Mook, centre à 3 points. Il y a quand même un certain potentiel du côté de Montessi, se mettre à jouer au basket. Mais Nelson, il paraît pas, mais ça, c'est, il a un joli cursus basket. Après, il a été blessé là, mais vraiment, il se remet gentiment là. 3 secondes sifflées contre Mimchi. Blessure mal soignée là, qui complique un petit peu. Pétard qui fait tourner son banc pour le graver, qui cède sa place. Ah. Kevin Martina. En jeune. Et puis retour aussi d'Alexander Hart. Pour la place de Pagina. Jackson, celle du top score à la mobilière, Sean Barnett. Un seul joueur qui n'est pas rentré encore du côté de Fribourg. Ouais, petit jeune. Un petit jeune. Makis. Des ponts. À la main sur Timberlake, retour sur Dépont. Donc, attend le mouvement de ses coéquipiers, Nelson Mook sur Thomas Fritchi, qui va remettre son shoot à 3 points. C'est manqué. La lutte au rebond. Alexander Hart qui retient Tutonda. On va revoir. Avant les lancers francs. Changement. Retour de Thomas Salman qui c'est prend bien. La place de capitaine Timberlake. Allez, du jeu, des minutes. C'est important. Remise en jeu pour monter. Avec des ponts. Des ponts qui cherchent une solution. Ah, dommage. Sur Thomas Fritchi. Ça sort en touche. Beaucoup de choses ont bougé hein, au niveau du championnat de basket suisse. Goethals qui est parti. Oui. Du côté de Neuchâtel. Joli contrat en Tib, en Pro B. Rebond de Tutonda. Alors, Victor Despont qui essaie de faire un petit peu le spectacle. Elle est un peu gourmand là. De Zin. Peu gourmand, Zin Art. Pareil. C'est manqué. Rebond d'Alexander Hart. Le panier est accordé et faute contre le BBC Monté. Au numéro 13, Brunel Tutonda.
Ah, tu parlais du jeune, il va rentrer. Et voilà. Temps mort déjà du côté de Patrick Dembélé. On revoit la faute. Art qui s'en va au panier, qui prend le rebond. Et puis là, on voit la faute de Tonga qui va cisailler les bras. Allez Patrick, on bosse, encore 5 minutes. Bon, c'est clair que quand on a un écart comme ça, c'est dur aussi de retrouver la motivation de ces joueurs. Mais comme tu dis Nicolas, l'important c'est d'utiliser ce match pour travailler, pour tester aussi les systèmes, voir ce qui, faire travailler ce qui ne fonctionne pas. Hein. Oui, donner des minutes aussi à certains joueurs, c'est important. Qu'entre Victor est arrivé de Fribourg, il a eu plus de minutes en une saison à monter qu'en quatre saisons à Fribourg entre l'Académie et puis la Liga. Donc c'est sûr que ces minutes-là, tu es obligé de les avoir pour pouvoir passer un palier. Si tu les as pas, c'est pas possible, quoi. Moi j'ai toujours dit que de toute façon c'est le terrain qui donne la satisfaction, qui donne les réponses. Ah bah oui. Après les minutes sur le terrain, faut te les gagner. Hein, bien sûr. Non, c'est franc pour Alexander Hart. Qui transforme. 58-4, 4 minutes 44 à jouer. Des ponts pour monter à la main. Et l'entrée de Joannis Makiès du côté de Fribourg Olympique. Voilà, allez, joue-le. Thomas Salman, balle de vie en touche par Jackson. Bon, belle brochette de jeunes quand même sur le terrain, ça fait quand même plaisir à voir. Eh oui. Très mise en jeu. Ronald Panda, Thomas Salman. Shoot sur le gang de Victor Despont. Bon, il aurait dû avoir expiration des 24 secondes, elle n'a pas touché la noix. Ouais. Les arbitres laissent jouer. Alexander Hart dans la raquette. Il transforme. Dépend la main du côté de Monté. Son Mook. Chercher la ligne du panneau. L'anneau. Faute de Ronald Panda. Deuxième faute. On revoit l'obstruction complète du ballon. Fini sur le joueur. Jackson. Martina. Cherche et retrouve Jackson. Ligne de fond contre Despont. Shoot s'est manqué. Rebond de Thomas Salman. Il faut soigner. Surtout Tonda. Bonne passe. Avec la faute de Jackson. Troisième faute pour Jackson et quatrième faute d'équipe pour Fribourg Olympique. Et la remise en jeu pour monter. 3-29 à jouer. Victor Despont. Thomas Fritschi. Ah oui. Attention, les 3 secondes de Tonda est ressorti. Son Mook, tac le panier, c'est manqué, rebond de Martina. Martina sur Jackson. Akis, Hart, Kimchi, transforme. Joli mouvement. Ça bouge aussi du côté du banc de montée. Ah, joli. C'est manqué de Thomas Salman. La passe de Despont était bonne. Jackson qui se défait de Thomas Salman. Balle débit en touche par Miyuichi. Changement du côté de Monté. Entrée de Fonnieda et de Spadone qui prennent la place de Tutonda et de Victor Despont. On a très peu vu aujourd'hui Despont. Ouais, c'est... On est habitué à... assez shoot à 3 points, assez points lui. Hein. Effectivement.
Après, c'est dur parce que tu vois, quand tu les mets pas ou quand tu reçois pas pour les mettre, c'est compliqué parce que t'as le doute qui s'installe. Hart qui contre Salman. Il faut essayer de sortir cette tête-là, puis de trouver l'énergie pour pouvoir trouver une autre chose, tu vois. Si tu peux pas shooter, tu dois pouvoir apporter quelque chose d'autre à l'équipe. On voit Fitchy qui s'essaye à 3 points, ça rentre, bravo Thomas. De 10 à jouer. Et qui se l'amène pour Fribourg Olympique. Hart, Martina qui s'en va à ligne de fond, intercepté par Nelson Mook. Puis Martina qui était pied sur la ligne. Ouais, il aurait pu aller au panier. Mais... Il aurait pu aller au panier, il a cherché son camarade. C'est pas donne. Difficile de trouver le meilleur joueur de cette rencontre, hein, parce que si on regarde du côté de Fribourg, 3 joueurs à 11 points. Voilà, Hart à 12. Vraiment, c'est un gros travail collectif. Fagneda dans la raquette, joli bras roulé. Excellent coéquipier d'entraînement, très sympa. C'est aussi sa première année en Liga. Hein. Oui, c'est une expérience. Il est suisse, il habite aux États-Unis. Et puis il a voulu tenter une expérience ici en Suisse. Perception il était à Vevey, il pouvait pas jouer à Vevey. Vas-y Thomas. Provoque la faute de Jackson. Stop la balle. Mais là aussi complètement atypique. Fonieda. Patrick il se posait la question. Je dis pas tout, mais il se posait la question pourquoi il était assez fatigué le matin quand il y avait des séances d'entraînement le matin. Puis il a fallu attendre quelques temps pour qu'il nous dise en fait qu'il faisait ses cours d'université en ligne la nuit. Ouf. Donc, tu vois, comme je te dis, des fois il y a un monde d'écart entre certaines équipes et puis le bébé s'est monté. Qui a pris un petit peu la veste de club formateur, enfin club lanceur en fait, un petit peu pour les prochaines saisons, c'est vraiment le but, c'est déjà d'assainir pour le comité. Perception de Thomas Salman. Qui font bien. Qui profitent de son temps de jeu. Jouer. Qui montre ce qu'il sait faire et qui score, bravo. Tu disais Nicolas? Je disais oui, c'est l'objectif, c'est de démarrer maintenant pour la saison prochaine, donc déjà de réfléchir, de mettre en place, de discuter. Quand tu peux commencer fin août, début septembre correctement avec ton groupe sereinement, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quoi. Jackson, petit shoot en fadeaway. 30 secondes à jouer encore. Gilles Spadon. Interception de Jackson. Ouais. Sur Makis. Qui s'essaye au dunk et c'est manqué. Rebond de Thomas Fritschi. Gilles Spadon. À 3 points, c'est manqué. Jackson. Ça se pose pas la question. Hein, ça. Jackson qui prend son shoot. 3 points, c'est manqué. Reprendre Bemichi. Fin du match, 57 à 90. Pas photo, Fribourg Olympique plus fort. Eh oui, plus fort, ma foi, faut l'accepter. Bravo à eux. Tous les compartiments du jeu. Du travail du côté du BBC Monté. Beaucoup, beaucoup de travail, mais aussi beaucoup d'humilité, c'est important. Et c'est juste, ma foi, faut accepter cet état de fait. En tout cas, Nicolas, moi je tiens à te remercier de m'avoir accompagné tout au long de ces 40 minutes de match. C'était un plaisir d'être à tes côtés. Et de pouvoir avoir fait partager ton savoir et tes connaissances de basket à nos chers téléspectateurs, si on appelle ça comme ça sur internet, ouais, ou nos crois, internautes. C'est pas facile. Mais en tout cas, j'espère que vous avez beaucoup de plaisir. Nous, on a eu en tout cas. Et oui. Moi, pour ce qui est de ma part, je vous donne rendez-vous le prochain match le 20 mars contre les Lions de Genève. En attendant, portez-vous bien, gardez les distances. Exact. Et on continue à suivre le basket. BBC Monté, vive le basket, la Swiss Basketball League. À bientôt. À bientôt, merci. Merci, ciao. Au revoir.